I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy. We're not worthy. A spaceman, huh? No, actually, I'm a farmer. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, rebonsoir tout le monde. Alors que j'espère que ça va bien. Je suis Jonathan Drapeau. On est dans l'émission 5.5 sur la lutte professionnelle. Je suis en co-animation avec Benoît Laferrière. Comment ça va, mon Ben? Ça va très bien. Ça va, Jo? Ben oui, ça va super. J'espère que les internautes, les auditeurs, ils nous suivent puis nous ils commentent ce qu'on fait puis ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Yes, yes, yes. En parlant de réseaux sociaux, on est sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez nous écouter sur YouTube, Spotify et tous les bons podcasts près de chez vous. Alors, on commence tout de suite en force avec la WWE qui a annoncé récemment que son événement SummerSlam 2021 sera... aura lieu à Las Vegas. Excusez-moi, je cherche mes mots. Le samedi, c'est exceptionnel, un samedi, le 21 août prochain, au Allegiant Stadium de Vegas. On vous parlera des combats dans un podcast éventuel. Mais moi, j'ai une opinion là-dessus, c'est que pourquoi qu'ils font pas comme WrestleMania, une fin de semaine SummerSlam? Je sais pas, mais... C'est quand même le plus gros show de l'été, là. Je sais pas du tout. Il y a une chose que je peux te dire, par exemple, c'est que il semblerait que ça va être un événement grandiose qui a jamais été fait, puis ça va qu'il va y avoir des gros noms. Ouais, mais ça, ils n'ont parlé... Quatre gros noms qui vont... D'après moi, là, c'est The Rock, John Cena, Brock Lesnar... Goldberg. Ça ressemble à ça pas mal, honnêtement. Mais bref, c'est une surprise à venir. Continuons de suivre Ross McDown et on verra bien ce que l'avenir réserve pour la WWE. On va parler d'un talent à Drew que ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu. C'est le gros noir issu de NXT, Keith Lee. On sait qu'au Pay-Per-View Elimination Chamber, il était supposé faire partie du Triple Threat pour la ceinture États-Unis, impliquant également Riddle, le champion de l'époque, et Bobby Lashley. Mais à la dernière minute, il fut retiré à cause d'une blessure. Depuis 7 ans, on n'a pas beaucoup de nouvelles de lui, et selon des sources, son avenir à la WWE ne semble pas assuré à long terme. Toutefois, il est toujours sous contrat avec la compagnie de Stamford et demande à ses fans... Aux fans de la WWE. Il est blessé, ou il est juste à la liste. Là, il demande à ses fanatiques de prendre leur mal en patience. Puis, parlant de talent de la WWE. Puis, en parlant de mal en patience, c'est ça. Il y en a qui n'ont pas eu la même chance que Keith Lee, je pense. Non, c'est ça. La WWE qui n'ont pas eu la même chance que Keith Lee, comme tu dis, dans le fond. Voici la liste. En fait, la WWE, là, ils ont congédié des gens. Depuis plusieurs semaines. Ben, c'est le 2 juin, ça fait 10-12 ouais, jours. Mais on est le 14, ça fait 2 jours. Ils ont congédié deux semaines. Là, des gros noms. Là, Aleister Black, Lana, Murphy, Ruby Riott, Santana Garrett. Puis le gros Braun Strowman. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Ça fait pas l'unanimité, hein? Non, c'est ça. Il y a beaucoup de rumeurs en lien à ça. T'sais. Est-ce que la WWE est à vendre? Est-ce qu'ils cherchent des investisseurs? Ce serait peut-être une raison pourquoi il aurait congédié Braun Strowman. C'est une histoire de salaire? Est-ce que c'est une histoire de... La question que nous avons posée le 4 juin dernier, est-ce que vous pensez que la WWE a congédié tout ce beau monde afin d'économiser de l'argent pour donner un contrat lucratif à The Beast Incarnate, the next big thing, Brock Lesnar? Moi, je pense que oui, là, mais honnêtement, c'est vraiment un bad move. Là. On vous invite à répondre à la question. Ah, c'est ça. Plusieurs sources ont récemment avancé que la WWE cherche à couper le plus possible des dépenses, justement, pour un acheteur. T'sais, on en a déjà parlé. C'est vrai que la COVID, ça a pas dû aider. La fameuse émission Most Wanted Treasure, où ils font le tour et ils cherchent des artefacts pour essayer de monter genre une espèce de banque de souvenirs
physique de, des lutteurs importants, ouais, bien sûr. Ben, veux pas, ces artefacts-là, ben, ils valent quelque chose. Donc, mon hypothèse était aussi bonne comme on a parlé, je crois. Ça vaut quelque chose, donc ça augmente la valeur physique de l'entreprise de WWE, donc peut-être très intéressant pour un éventuel acheteur. Faut mentionner également que le concurrent de Jacksonville, la AEW, sont en train de mettre des bâtons dans les roues à Vince McMahon et compagnie en embauchant des ex-lutteurs, comme Eric Bischoff faisait dans le temps de la WCW. C'est sûr, mais à un moment donné, il faut aussi penser, tu sais, qu'il ne faut pas que ça devienne... que ça devienne le promoteur de la AEW, il ne faut pas qu'il ait fouillé dans le build de la WWE pour ramasser les anciens lutteurs. Parce que restants de temps, là, c'est ça, il est en train de ramasser les restants de crosse. Des Christian Cage, des Paul White, ouais, des bons lutteurs, mais qui sont plus longs que eux-mêmes. Le problème, c'est qu'ils sont en train d'engager plein de monde, mais ils font rien avec. Ouais, ben éventuellement, ils vont bien faire de quoi. J'imagine. C'est comme là, le Wush Strongestman a apparu à Double or Nothing. Ouais, il y a à peu près 2 semaines. 30 mai dernier. Ouais, c'est ça, fait 2 semaines. Il a signé un contrat, dans le fond, avec la compagnie Jacksonville, la AEW, bien sûr. Cependant, il a géré comme analyste pour la prochaine émission AEW Rampage. Il semblerait que ce serait peut-être un genre de Raw, un SmackDown d'un peu plus d'importance que Dynamite. Que Dynamite et que Dark. Mais ça a l'air, dans ce que j'ai mentionné dans le dernier podcast, Rampage va durer juste 1 heure. C'est ça, si c'est 1 heure intense, why not? Seul Dieu nous dira, puis le dira sans doute. Parce qu'il faut se souvenir et tout que Mark Henry, c'est un ancien World Heavyweight Champion. Il s'est fait connaître sous le nom de Sexual Chocolate à l'époque, dans le temps de Mae Young, qui était amoureux de Mae Young. Gros background, je vois. C'est un gars qui a fait des concours de pop. Une grosse boîte de chocolat. Ah non, mais c'est... Ben oui, il se faisait appeler le chocolat sexuel. Ouais, c'est ça, exactement. La catcheuse Jordynne Grace, a re-signé en mai dernier un nouveau contrat de plusieurs années avec Impact Wrestling. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Oh! Jordynne Grace? Ouais. Dans le fond, elle écrit un article dans Pro Wrestling Illustrated. Oh! Faudrait que j'aille lire ça. De Lufisto. Ah! Intéressant. Je vous invite à lire son article, c'est passionnant. Comment elle écrit cette belle article. Elle parle profondément de Lufisto, de toute sa carrière, de tout ce qu'elle a accompli, ce qu'elle a fait pour la division féminine durant toute sa carrière. Donc, c'est très intéressant à lire. On va enchaîner sur une superstar japonaise, un gros nom japonais qui a fait ses débuts à Impact Wrestling il y a environ 2 semaines. Il s'agit de Satoshi Kojima. Ce catcheur a débuté sa carrière à la NJPW en 1991. Il lutte encore. Ah ouais, c'est un dieu au Japon. Imagine, il est fait en plomb. Ouais, on peut quasiment dire ça. Quasiment. Il a remporté notamment 2 fois le titre IWGP Heavyweight et 7 fois les championnats par équipe, dont 6 règnes avec Hiroyoshi Tenzan. Il a quitté la New Japan en 2002. C'est pratiquement le Ric Flair de la IWGP. Ouais, c'est un bon vétéran. Il a quitté la New Japan en 2002 avec Kaiji Muto, qui s'est fait connaître sous le nom de Great Muta à la WCW, pour l'AJPW, la All Japan Pro Wrestling, pour protester contre la doctrine du Inokisme, qui fut établie par son fondateur, Antonio Inoki. Il a remporté également 2 fois le championnat Triple Crown. Il fut même champion NWA World Heavyweight en 2014. Un dernier petit point, on va parler du PWI 500 2005. Il a été classé au 3e rang. Wow! Puis récemment, l'intervieweuse d'Impact Wrestling, Jaya Miller, a signé un contrat de 3 ans avec la compagnie. On souhaite bonne chance à cette jeune femme de 23 ans qui semble avoir une belle avenir devant elle. Et là, même si l'émission hebdomadaire Dynamite s'en va à TBS en janvier prochain... TBS! Non, TBS, hey, toi là, là. Faut pas parler en mal de... De Big Show. De Big Show, ouais. Ouais. T'es un beau salaud. C'est ça. Sérieusement, même si ça s'en va à TBS en janvier prochain, le championnat TNT ne changera pas de nom. Cody Rhodes... l'a confirmé dans une récente entrevue. Il a mentionné également que le poste TV TNT est l'endroit où ce championnat a vu le jour.
Il a même mentionné également que, selon lui, la strap TNT, c'est le championnat le plus important de la lutte professionnelle aujourd'hui. Le contrat de la superstar de la AEW et leader du clan Pinnacle, MJF, va expirer seulement en 2024. Cependant, il ne dirait pas non à la WWE si l'offre se présentait. Ce n'est plus un secret pour personne. Tout le monde sait que John Moxley et Renee Young attendent bientôt une petite fille. Eh bien, ils vont la nommer Nora, en honneur à la grand-mère de Young, Eleonore. Ça fait que c'est pas en la mémoire de Nova. Oh, je pense pas. Elle devrait accoucher en août prochain, car ils ont annoncé cette nouvelle merveilleuse en novembre dernier. Moxley et Renee Young, ils ont eu un énorme background à la WWE. Tu sais, tu t'en rappelles, lui, il a commencé dans le Shield, là, avec Roman Reigns et Seth Rollins. Vous savez d'ailleurs que The Shield, ouais. CM Punk est derrière la formation. Ah ben oui, ils ont intervenu sur Ryback à Survivor Series. Il y a des rumeurs aussi qui disent que CM Punk serait peut-être engagé pour devenir un scripteur à la WWE. Ben, ce serait bon. Ce serait vraiment une bonne chose. Parce que ce gars-là, c'est pour guider quelqu'un, c'est... C'est une machine. Ah oui, c'est lui qui scriptait à Ring of Honor. Ah oui, c'est ça. Il a déjà scripté. Il a de l'expérience, le gars. Puis Renee Young également, elle, c'était une intervieweuse à l'époque. Puis elle animait Aftermath. C'est qui était genre. Bien, elle, hein? Ouais, elle vient de Toronto. Ouais, ouais, c'est ça, c'est une Torontoise. Ben, son nom est francophone, mais dans le fond, elle parle pas vraiment français. Non, oh, c'est ça. Mais c'est ça, elle animait dans le temps Aftermath, qui était le résumé de Raw SmackDown. C'est ça. Fait que juste, c'était pas mal pour parler. Pas mal ce qu'on avait à dire sur ce merveilleux couple. Ding, 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 parlons Indie. Oh non. Pas Indie. Je veux parler de la MLW que, ben, oui. Dans le fond, le 21 mai dernier, il y a eu le draft, dans le fond, par anticipation en vue du draft de la MLW qui aura lieu le 10 juillet prochain. Qui était nommé? Qui est juste avant notre fête. Ah, bon, c'est fait. La MLW ont signé Davey Richards. Oh, un gros nom, ça? Oui, vraiment. Il fait connaître, dans le fond, à TNA Impact, ROH, CZW, PWG. Et j'en passe, il a fait le Japon et tout ça. Je vais ouvrir une mini-parenthèse parce qu'ils ont aussi signé d'autres gars. Ben vas-y. La Major League Wrestling ont signé aussi Kim Huertas, qui était dans le fond un luchador à la Lucha Underground. Et il est vraiment très très connu au niveau de tout ce qui est lutte mexicaine. Et ils ont signé aussi Savio Vega. Ah, Savio Vega, c'est nouveau, ça? Oui, oui, ils ont signé Savio Vega. Ça, je savais pas. Mais personnellement, King Muerta, je l'ai jamais vraiment entendu parler. À moins que t'as eu un vieux type dans le temps. Non, ça fait pas longtemps qu'il est dans le circuit, ben. Probablement qu'il était pas masqué à l'époque, peut-être. Ouais, non, il était pas de masque. Ok. Puis maintenant, il y a comme un nouveau personnage, il s'appelait pas comme ça à l'époque, je me souviens pas de son nom. Mais à l'époque, il y avait un autre nom, puis maintenant, c'est pas. Ben, en fait, c'est King Muerta, mais son vrai nom, c'est. Mil Muerta. Ah, ok. C'est ça, Muertes? Ça me semble que c'est ça. Mais bon, son surnom, c'est King, The King Muertes. En tout cas, tout ce qu'on espère, c'est qu'un luchador de même va apporter quelque chose de nouveau à la MLW. Là. Quelque chose, un calibre fort intéressant. Yes. Tu sais, on a jamais assez de luchadors, hein, ben, des fois, dans des compagnies de lutte. On parlait dans l'émission juste avant, dans la soirée, que Shaggy Doudope avait été blessé. Oui. Et puis, figurez-vous donc que Enzo Amore a été hospitalisé. And you can't teach that! Durant un gala de la SWE, une fédération indépendante du Texas, le 22 mai dernier. Okay. Certaines sources rapportent qu'Amore s'est blessé après avoir mangé un DDT en dehors du ring. Il a perdu connaissance peu de temps après. On peut-tu s'entendre? Écoute, ouais, vas-y. Moi, je l'aimais vraiment beaucoup, Enzo Amore, là, mais... C'est pas un grand lutteur, hein? Oh, il se la pète un peu, ouais. Ou genre, je n'aimerais personne là, dans lutte indépendante au Québec, là. Il y en avait beaucoup qui faisaient des convois, ben, toutes les soirs, ils se blessaient. Je n'aimerais pas personne. Non, 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 mais on sait de qui qu'on parle. Okay. Je suis certain que les gens qu'on parle, ça va connaître très bien. Certaines sources rapportent que Murray s'est blessé, c'est ça, et il a dû être évacué des lieux ancillaires. Écoute, tu sais quoi ça me fait penser? À Bruiser Brody. Hey, c'est encore plus violent que ça. On vous invite, les amis, le 18 mai prochain, Bruiser Brody, le regretté Bruiser Brody. Pas mai. Hein? Oui, c'est mai. 18 mai. Hein? J'utilise 18 mai, 18 juin. Hein? Je m'excuse. Oui, le 18 juin prochain, Bruiser Brody aurait eu 75 ans.
pour rendre hommage à ce merveilleux lutteur de l'époque, qui fut malheureusement assassiné en 1988. On va écrire un merveilleux texte, moi et puis mon collègue Jonathan. On est en train de le travailler. Ouais, on est en train de taponner ça un peu. Là. Vous allez voir des choses intéressantes. Des combats, des anecdotes. Il y a une anecdote sur Lex Luger qui est assez intéressante. Oui, vraiment. C'était un personnage coloré, lui, Abdullah the Butcher. Donc, toi, tu voulais parler de l'ancienne superstar de la populaire NWO et 5 fois champion par équipe de la WCW, Marcus Alexander Buff Bagwell. Qu'est-ce qui s'est passé avec Buff Bagwell? Ben, je vais vous mentionner ça, puis je vais te mentionner ça. Ouvre bien tes oreilles. Ouvrez bien vos oreilles, les amis. Eh bien, le 22 mai dernier, dans le comté de Cobb, Georgie, la ville que Big Boss Man se faisait annoncer, From Cobb County, Georgia, the Big Boss Man, pour ceux qui ont suivi à l'époque. You know the Big Boss Man. OK. Il a été arrêté dans ce coin-là pour avoir violé le code de la route à plusieurs reprises. Il a été arrêté pour les raisons suivantes. Fausse identité et fausse adresse donnée à l'officier qui l'a contrôlé. Excès de vitesse. Refus de priorité à plusieurs reprises. Non-assistance à personne en danger après avoir été témoin d'un accident. Non-respect des distances de sécurité sur la route. Conduite jugée dangereuse. Conduite en milieu de voie, chaussée ou sur la bande d'arrêt d'urgence. Conduite sous influence de stupéfiants. Et ensuite, avoir percuté un objet. Conduite dans le mauvais sens. Refus de présenter son permis de conduire. Ça va mieux, ça est mieux d'avoir un portefeuille dans ses poches parce que pour moi, il va en prendre des taxis pour les prochains mois. Selon certaines sources, l'arrestation de Buff Bagwell peut avoir rapport avec l'accident qui a eu lieu l'an dernier, où il avait notamment fessé un abribus dans le comté de Cobb également, et avait fini blessé et hospitalisé. Alors nous pouvons présumer que c'est la fameuse pandémie de la COVID-19 qui a retardé cette arrestation qui va mener probablement à un éventuel procès, un dossier à suivre. Ben là, je me demande si ce gars-là va en lutter un jour. Tu penses? Hein? Moi, d'après moi, je... Ah, oh, il ne luttera pas, ce gars-là. On va le voir dans des... On va le voir en prison se faire... se faire trop quitter. Non, peut-être pas à ce point-là, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, probablement que si... Le gars va se prendre avec ses drôles. S'il échappe son salon, il est mieux d'avoir été fait... Tu voulais parler, dans le fond, des résultats de Double or Nothing. Ouais, on va parler de Double or Nothing qui a eu lieu le 30 mai dernier. Ça fait à peu près 15 jours de tout ça, si on fait une histoire courte. Yes, écoute, on s'est gâté un peu, mais on a pris 2 minutes pour, dans le fond, l'écouter. Puis, dans le fond, on va en parler un petit peu, tu sais, de tout ce qui est... résultat de Double or Nothing. Donc, tu veux commencer par le premier combat, Ben? Donc, je te laisse commencer, mon Ben. Oui, vous savez que Double or Nothing, c'était la 3e édition. C'est considéré comme un peu le WrestleMania, le Starcade, le Bound for Glory, le Barbecue Bootcamp de la AEW. Alors, il y a eu un pré-show avant le début du combat. C'est Serena Deeb qui a conservé son championnat du monde féminin de la NWA face à Rio. Qui est un combat assez appréciable. Oui, appréciable. Ouais. Le deuxième combat, c'était un match simple dans le fond. C'était Adam Page. Hangman. Jamais de ça, toi. Contre Brian Cage. Puis honnêtement, là, c'était vraiment sa coche. Il y avait de l'intensité. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un bon match simple comme ça. Là. Ouais. Surtout pour ouvrir une carte. Là. Ouais, c'était ça la coche. Je pense que c'était un des meilleurs matchs de la soirée. C'était le match qu'il fallait mettre pour moi. Ouais, vraiment. Tu sais, c'est. Les deux hommes, dans le fond, ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner. Puis c'était les deux meilleures personnes pour ouvrir une carte. Moi, je pourrais dire que c'est comme. On va retourner dans le passé, une petite parenthèse. The WrestleMania 10. Owen contre Brett, hein? En ouvrant, hein? Ah ouais, si. J'ai écouté encore... je te comprends. Ce match-là, c'était... Ah, c'est bon, terrible. Ah, mais tout ce show-là, hein? Pour ouvrir un show, c'était... La semaine 10, tout le show est bon, hein? C'est pas le deuxième match de jeu? Je pense que c'est Doink. C'est Doink contre Bam Bigelow, hein? Doink contre Luna puis Bam Bigelow. Ouais, c'est... bon, ce combat-là, là. Tout est bon. Après ça, t'as le troisième combat. Ah, c'est...
Ouais, après. Troisième combat, c'était Randy Savage contre Crush dans un No Disqualify. C'est ça? Force Count Anywhere. Puis, mon Dieu, c'était bon ce combat-là. Innovateur ce Macho Man-là. Quand il attache la jambe de Crush, puis il fait comme le pan par les pieds, puis il a le temps de se rendre au ring, Crush est compté à l'extérieur. Ouais. 60 secondes, je pense qu'il fallait. Il y avait un compte à robot, monsieur. Ouais, je me souviens pas exactement, mais c'était un beau souvenir dans ma mémoire. Il y avait aussi Alondra Blaze contre une femme que je me souviens pas de son nom. Bull Nakano, ben, Lélani Kai, non? Non, c'est les Nani Kai. Lélani Kai, qui était championne à WrestleMania 1 et qui a perdu contre Wendy Richter. Yes. Il y avait un tag team match, dans le fond. Il y avait les Quebecers, Jacques et Pierre, Matthew, qui était champion à l'époque. Yes, contre The Man on the Mission. Mabel et Beau. Ouais. Il y avait tant de fortes qualifications, je pense. Ouais, je pense ça. Hein. Ouais. À quoi ça me fait penser déjà, mais on a mes choses? Ça me fait penser aux bananes en pyjama. Excusez-moi, les amis. Après ça, ben, il y avait le gros Yoko avec Fuji contre Lex Luger. Pour le championnat WWE, parce que Lex Luger était co-vainqueur du Royal Rumble avec Bret The Hitman Hart. Oui, il y a la grosse sensation de là. Lex Luger qui est arrivé avec un autobus dans le temps. Le Luger Express. Ben, oui, oui. Petite anecdote sur Lex Luger par rapport. Un body slam à Yokozuna. Petite anecdote sur Lex Luger à propos de ce gars-là. Il paraît qu'il était supposé, et ça j'ai lu ça sur beaucoup de sites de catch, là, parce que je m'intéresse au catch bien sûr. Il paraît qu'il était supposé gagner le championnat de la WWE, à l'époque WWF bien sûr. Mais là, ils ont enlevé le push parce qu'il était sous la veille dans une soirée, puis ça serait vanté. Ça serait vanté à la gueule qu'il gagnait à strap, puis là, ils l'ont dépouché, si on veut. Mais, on se rend compte même qu'on était en train de parler, genre, des résultats de Double or Nothing, puis on est en train de parler même de plus de WrestleMania 10. Bon, on va revenir sur Double or Nothing. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la AEW, ils n'ont pas fait leur job. Parce qu'on est en train de parler de WrestleMania, man. C'est fou, là. Ça, là, faut que ça allume une lumière à des gens, là. Les gens me catchent, là. S'il vous plaît, faites donc des bons shows. Entre toi et moi, Double or Nothing, comment tu l'as trouvé, ça? OK, à part le premier combat, qu'on a nommé Hangman contre Brian Cage, personnellement, je trouve que le meilleur match était la Battle Royale de Casino. Comment on l'appelle, là? C'était le Casino Battle Royale. C'est ça, la Battle Royale de Casino, remporté par le fils de Feu Luke Perry, Jungle Boy. Oui, puis... Il a eu sa chance au titre, je pense. Puis la dernière personne qui était, dans le fond, avec Jungle Boy, c'était Christian Cage. Ouais. Puis, tu sais, il avait annoncé une super belle surprise avec le nouveau petit lutteur, là, Leo Rush. Leo Rush, moi, que... Ouais, mais Colin, apparemment. Il est en retraite, fait que c'est plus une surprise. Mais là, tu sais comme moi, les affaires de retraite, comment de fois que M. Jacques Rougeau et M. Terry Funk se sont retirés du catch et qu'ils sont revenus? Ah, écoute. Moi, personnellement, je pèse mes mots. Je crois que Leo Rush, il va prendre une petite année sabbatique, un genre 6 mois pour soigner ses blessures. Il va faire un grand retour, soit à la WWE ou à AEW. Parce que là, faut qu'il, avant qu'il prenne sa retraite, comme il le mentionne, il faut qu'il finisse ses engagements au Japon. Je pense qu'il vient jusqu'au 28 juin, apparemment. Mais il peut aussi bien faire un Joe les Flèches, puis tu sais, on ne l'envoie plus dans le circuit non plus. Là. Ouais, il y a plusieurs hypothèses sans suite. Tu viens de Joe les Flèches, hein? Tellement. Ah, tellement. Hein? Avec la saga Jolie Flesh, Johnny Storm à la CZW. Jolie Flesh est probablement. A été probablement le meilleur high flyer de tous les temps. Un des meilleurs lutteurs indépendants de l'époque. Qui gagne à être connu et qu'on verra jamais performer sous nos écrans, soit à la AEW, TNA ou. Peut-être qu'il est revenu masqué au Japon, mais on le sait pas. Ou au Mexique. Moi, je pense que Jolie Flesh, à l'époque, je crois qu'il avait fait un ou deux combats peut-être à la TNA, mais la vieille TNA, à l'époque où Loki, Joe, Styles, TNA Weekly, le mercredi soir, qu'on écoutait chez Nathalie Francis. Salut Frank en passant. Salut Frank. Puis c'est ça, dans le fond, la lutte a beaucoup changé, tu sais. Pour revenir à WrestleMania 10, il y a un match qui n'a pas été long, c'est celui d'Earthquake et d'Adam Bomb. Non, 35 seconds only. Hein. Il a fait son Power Slam, le Earthquake Squash, 1, 2, 3. T'as-tu entendu parler de Adam Bomb?
de sa carrière, puis pourquoi qu'il n'y a pas eu de push. Pis, ben, en tout cas, dans le temps de Chronic, il faisait Brian Clark avec le regretté Brian Adams, alias Crush à l'époque. Ça, c'était bon, Chronic? J'ai écouté In Your House, je pense que c'est 91 ou 92 récemment. Il y a un combat contre Mabel. In Your House, 92? Ça a commencé en 95, New York. 95, on dirait 95 ou 96. Et puis c'était excellent. C'était tellement excellent, là, ce combat-là, là, que je disais à ma blonde, regarde ce catcheur-là, à quel point il lutte bien. Puis, ta blonde de l'époque ou ta blonde présentée? Ma blonde que j'ai là, ben ma blonde que j'ai là. Salut Catherine! Puis elle me dit, ah, il est donc bien bon ce lutteur-là. Puis, il est imposant, Crush? Oui, pas Crush. Adam Bomb. Ah, excusez-nous les internautes. Adam Bomb, là, c'était tout qu'un athlète, là. Tu sais, je regardais devant Mabel, qui Mabel, à l'époque, maintenant, c'est Feu Mabel. C'est un gars de 6 pieds 7, 6 pieds 8, peut-être 6 pieds 9, moi. 400 livres. Mon Dieu, il se regarde les deux, là, yeux à yeux, comme je te regarde là, là. Ça veut dire que le gars est imposant, là. C'est un gars de 300 livres et plus. Il était, son manager, c'était Harvey Whippleman. Ah, ben Harvey oui. Harvey Whippleman est tout petit. Ah, mais il mesure 5 pieds 6. Donc là, ça donnait l'impression là, que Adam Bomb était super gros. Mais moi, ce que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup de Adam Bomb, Tim, il faisait des springboards. Oui. Il faisait des springboards. Oui, oui, oui. Des dives. Il faisait des springboard clotheslines. J'ai vu ça. Il comptait déjà bas, je pense. Il faisait des sauts de l'ange avec un coup de la corde à linge du troisième cadre. Honnêtement, là, j'ai vraiment aimé. Puis là, je me suis un petit peu intéressé à Brian Clark, je crois, son vrai nom. Ouais, Brian Adams, c'était Crush, puis Brian Clark, c'était Adam Bomb. Eh, faut pas y mêler, là. Non, c'est ça. Puis Brian Clark, Il y a une raison qu'on n'ait pas été touché, tu dis. Non, c'est ça, tu sais, il s'entendait pas bien avec la direction, il s'est passé des trucs. Puis il a comme, ils ont arrêté de le toucher un bout, tu sais, je trouve ça un petit peu plate, puis il a comme perdu sa place, il est rentré un petit peu, une courte période à la WCW, puis on l'a comme jamais vraiment revu. Je pense que la clique l'aimait pas aussi. Parce que je pense qu'il y avait deux cliques, hein. C'est ça que Dr. Carl Ouellet avait déjà dit. Il y avait une clique, là, la clique qu'on connaît toutes, le Triple H, X-Pac, Razor Ramon, Diesel, Shawn Michaels. Il y avait une autre clique, je pense qu'il y avait, PCO, Sid Justice, ben Sid Vicious, Adam Bomb, puis plusieurs noms qui m'échappent, là. C'est ça. Je pense qu'il était pas dans la bonne clique. Non. Je pense qu'il était pas bon, là. Non. Tu viens de nommer Sid Vicious. Putain, c'était un bon lutteur. Tu sais, il était pas bon. Non, mais Luke. Un lutteur, mais tu le vends à personne, tu m'as dit. Puis... Ouais, c'est une machine. C'est quoi, toi, qui m'avais dit ça, les épaules plus gros comme des ballons de basket? Ah, c'est mal. Oui, oh, c'est un des gars les plus gros que j'ai vu de ma vie. Pour vrai, là. Claque sa gueule de lui, ça doit pas être doux. Ah, c'est capoté. Mais tu sais, à l'époque, c'était pas des lutteurs. C'était des phénomènes de foire. C'est un petit peu comme t'allais à Beauce Carnaval. Tu mettais une étiquette, puis t'allais dans le tournant, puis tu te faisais brasser la tête. Puis il se prenait de ville en ville. C'est exactement ça, la lutte, en réalité. Oh, oui, comme les shows de burlesque à l'époque, là. Tu sais, il y avait des nains, des personnes, il y avait des gros monstres, il y avait des joupelus, il y avait des sumo, il y avait des clowns. Des acrobates. C'était de la lutte familiale. Oui, c'est ça. Et moi, c'est ce qui me manque, parce que, tu sais, j'aimerais ça, éventuellement, dire à ma fille, ben, tu sais, comme ça, on va aller voir un spectacle familial. Ben, il y avait Rougeau dans le thème, mais lui, il a fermé. Il n'y en a pas, tu sais. Ben, Rougeau, c'est à Montréal, mais là, malheureusement, il a fermé. Puis je pense que les gars voulaient pas reprendre la relève. Parce que, tu sais, parce que Rougeau, je sais que c'était ça. C'était souvent pour des bonnes causes aussi qu'il faisait ça, ouais, ces choses. Lutter contre l'intimidation, le suicide, de faire là. C'est ça. Puis revenons à WrestleMania 10. WrestleMania 10, les amis, encore. Rendait quel combat? On était rendu, dans le fond, on parlait de Yokozuna, je pense, hein, c'est ça. Ouais, ça finit par disqualification. Puis c'était le regretté Kurt Hennig qui arbitrait le match. Tu t'en rappelles de ça? Puis je pense qu'il a fait une crosse à Lex Luger. Pour moi, il avait gardé une rancune, parce qu'on se souvient à WrestleMania 9, Lex Luger avait gagné en faisant un backslide à Mr. Perfect. Il avait les pieds pognés d'un compte, puis l'arbitre a compté trois pareils. Je pense qu'il a gardé une rancune envers Luger. Ça se peut-tu? Non, ça se peut. Tu sais, on dans la storyline, bien entendu. De la nouvelle école versus l'ancienne école. Oui. Je te parlais de statistiques que les combats étaient trop longs. Regarde la différence. Comment les combats étaient plus courts à l'époque. Plus courts, mais plus intenses. 3, 7. Ici, on a des 14, 21, 23. C'est pas normal là, qu'un John Moxley contre Eddie Kingston, avec Eddie Kingston contre les Young Bucks, ça dure 21 minutes. Mais là, faut que tu comprennes qu'à WrestleMania 10, il y avait des promos de vedettes. Parce que je pense que c'est Burt Reynolds, je pense qu'il. C'est lui qui fait le timekeeper du main event. Je l'aurais regretté, Burt Reynolds.
On est rendu à quel match de WrestleMania 10? WrestleMania 10, hein, mon Dieu, c'est drôle, on est rendu qu'on parle de WrestleMania 10. Ouais, on va parler de WrestleMania 10. Ouais, pourquoi pas. Dans le fond, ensuite de ça, ben, il y a eu probablement l'un des meilleurs matchs de tous les temps. Et probablement un des meilleurs ladder matchs. Ça a été le match of the year en 1994, les amis. Oui. Et puis, c'était... Chacun... Parce que là, Shawn Michaels et Razor Ramon, il disait qu'il méritait chacun la ceinture intercontinentale. Les deux étaient champions intercontinentales. Comme un peu CM Punk puis John Cena en 2011, les deux se proclamaient champions de WWE. Mais là, ils ont fait la même affaire avec le site intercontinental. Ladder match. C'est ça. Puis dans le fond, Shawn Michaels a perdu son combat contre Razor Ramon. Razor Ramon est devenu le champion intercontinental à l'époque où une ceinture, ça valait quelque chose. Maintenant, tu sais, il y a des ceintures pour tout le monde. C'est là, je pense à Cody, là, qui sort le ceinture TNT? La ceinture pour trois lutteurs, là. Il va y avoir des trios, là. Ça, c'est des rumeurs, je pense. Mais des tag teams de trois. Ouais. C'est des rumeurs, ça, je pense. Ben, en tout cas, moi, je le croirai quand ça arrivera. Ouais, on verra bien. Puis pour revenir à Shawn Michaels, de mémoire, ça faisait 2 ans que c'était séparé des Rockers, de son fameux turn contre Marty Jannetty. C'est vrai. L'affaire du Barbershop, c'était avant le Royal Rumble 92, hein? Ouais, vraiment. Il a fait un super kick, le switch in music, le passé à travers de la ville. Ouais. Ça, c'était un événement. Je sais qu'on en parle souvent, mais c'est un des plus gros heel turns. Yes, salut Marty Jannetty, j'espère que ça va bien. On parle de toi quotidiennement dans tous les podcasts. Ah, mais veux pas, tu concernes le podcast bien malgré toi. Yes, mais t'es un grand lutteur. Bret Hart, dans le fond, a défait Yokozuna. Hey, tu savais-tu ça qu'il était supposé avoir un 5 contre 5? Ouais. Ouais, il y avait Martel, les Headshrinkers, je pense Jeff Jarrett, IRS. Contre les Smoking Gun, Tatanka, puis deux autres, mais c'est parce que le match de... Ça, c'est Kevin Martel qui en avait parlé, c'est CW. Le match avait été tellement long qu'il n'avait pas donné... Il n'avait pas eu assez de temps pour faire ce match-là, le 5 contre 5, fait qu'il a été diffusé à Raw à la place. Ah! Fait que dans le fond... Ah! Ouais, Kevin, c'était le nouvel Ricky, fait qu'il a expliqué, parce que Ricky était supposé faire un match 5 contre 5. Puis, ouais. Vu que le match de Shawn Michaels était trop long, il aurait manqué de temps. Ah. Tu sais, c'était pas sur le network dans le temps. À ce temps que le network pétait le temps, il s'en fout. Là. Non, c'est dans le temps, sur pay-per-view, tu payais en avance, tu pétais le temps. Ouais, c'est ça. Puis il pouvait pas faire des Jean-Marc Parent. Ouais, si on veut. C'est un peu ça. Exactement. Cool, fait que revenons à Double or Nothing, parce que dans le fond, le dernier combat, c'était Yoko contre Brett. WrestleMania 10, ouais. Paris, pas de Double or Nothing, WrestleMania 10. On a passé plus de temps à parler de WrestleMania 10 que de parler de Double or Nothing. Fait qu'encore une fois, AEW, ils ont des croûtes à manger avant de dire WWE, on est meilleur. Mais le main event de WrestleMania 10, Brett contre Yokozuna, ça valait le coup. Il manque son bonsaï drop puis tombe à terre. 1, 2, 3, c'était Roddy Piper, l'arbitre. Ouais. Tu te rappelles-tu quand Jim Cornette, il tire les jambes puis il sert quelques points en fait à Jim Cornette? C'est pissant, là. Ah, oui, ouais, les belles années. Du Golden Era. Moi, tant qu'à moi, WrestleMania 10, c'est le meilleur WrestleMania de tous les temps. Oh, ouais, c'est vraiment bon. En revenant à à nos moutons, avec Double or Nothing. Donc, il y a eu le fameux combat de Cody Rhodes contre Anthony Ogogo. Puis, honnêtement, j'ai détesté ce combat. Ça, c'est champion olympique british, ouais, je me rappelle. Moi, c'était ordinaire. Moi, on a déjà vu mieux de Cody, mettons. Il y a plusieurs qui prêchent pour Arn Anderson, mais moi, dès que je vois Arn Anderson, pas capable. Ouais, j'ai sa figurine. Oh, ouais, même si c'est... je suis pas capable. Mais si je viens qu'à la vente la figurine, je vais t'en donner à moitié. Non, mais ça, je te le promets. Là, ça va te faire un petit boulot sur le cœur. Tu garderas, je veux pas d'argent à l'heure de ça. Ouais, ben là, si je vends mon Bret Hart, mon tête biaisée. Garde, c'est des beaux souvenirs. Ensuite de ça, il y a eu Miro, le champion Miro, a battu dans le fond Lance Harker, qui était accompagné de Jake the Snake Roberts. Qui d'ailleurs, il y a quelques semaines... qui d'ailleurs était à jour. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis content qu'elle ait arrêté de consommer, ça. Spécial à Most Wanted Treasure, c'était un épisode ouais. Qui était sur Jake Roberts. Et puis, ils ont commencé à récupérer des choses de Jake Roberts. Jake Roberts qui était à jour cette fois-ci. Ah, ben... Il est allé au GWC, The Greatest Wrestling Collection. OK. Et puis, ils ont retrouvé... la poche de Jake Roberts, c'est drôle que c'est le fameux. La poche. Non, la poche à quel la poche de Damien. Oh, ouais, c'était trop hot. Hein.
pas à ne pas confondre avec Damien Steele, parce que ça prend une plus grosse poche. Deux jambes! Ouais, c'est ça. C'est ça. Ensuite de ça, il y a eu un combat... Parlant de Miro, on vous a posé la question la semaine dernière, il y a à peu près une dizaine de jours. Croyez-vous que ce gars-là, il est digne d'avoir une streak d'invincibilité au même titre que Samoa Joe dans ses débuts à la TNA en 2005? On vous laisse répondre. On vous invite à répondre, à partager. Oui, donc vous pouvez commenter, partager, liker. Nous sommes toujours disponibles pour vous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, Balado, Alouette. On est ouvert à tout commentaire, même pas besoin de payer le cognac, gnac, gnac. Salut Plume si tu nous entends. Oh, que je ça. Ah, mais on a du fun, on a du fun. Donc, il y a eu aussi le septième combat, c'était Dr. Britt Baker. Qui a gagné? Qui a gagné son championnat. C'est une dentiste. Ben oui, c'est elle qui pète la gueule, puis c'est elle qui répare. D'ailleurs, parlant de pétage de gueule, je peux-tu te conter une anecdote sur Robert De Niro? Vas-y. Quand il a fait le rôle du psychopathe Max Cady dans Les Mères à Vif, un remake de 1991 qui, à l'origine, était un film de 1962, il paraît qu'il a payé un chirurgien dentiste. Il a payé un chirurgien pour se faire péter la gueule, pour avoir la crédit dans son rôle, puis il a repayé un dentiste pour se faire réparer la gueule. Non, mais c'est. Hey, tu vois quelqu'un s'implique dans un rôle qu'il fait, à 100%, c'est un. Ensuite de ça, un combat que j'ai vraiment aimé. Oui. Je vais ouvrir aussi une parenthèse. Toutes tes parenthèses. C'est ça. C'était Sting et Darby Allin qui ont battu Scorpio Sky et Ethan Page pour la ceinture par équipe. Non, la ceinture par équipe, c'était plutôt dans son héros. Ok, oui, excuse-moi. C'était simplement un combat par équipe. Ce que j'ai vraiment aimé de Sting, et puis ça a fait un petit peu le tour du monde, et les gens sont vraiment. Ils étaient vraiment surpris. On est pas en bien de Sting. Que, je sais, t'es... Bon, je suis un marque de Sting, dis-moi. Sting, on se souvient, s'était blessé contre Seth Rollins, et on pensait jamais revoir Sting dans un arène. Sting a fait vraiment un superbe combat. Tu te souviens du fameux dive? On n'avait jamais vu Sting faire un dive. Dans le temps qu'il fallait le petit blondinet maquillé des années 90, ça date de 25 ans. Là. Il a été. C'était cool. Il a été alloué de ça, dans le fond. Les gens l'ont acclamé. Beaucoup de beaux commentaires positifs sur les médias sociaux en lien à ce fameux dive. Donc, two thumbs up. Son scorpion dead drop, c'était de toute beauté, son scorpion dead drop. La frappe par équipe, on n'en a pas parlé. C'était le troisième match. Je pense que c'était John Moxley, puis le deux troisième combat. Là. On a oublié d'en parler. Il était contre Young Bucks, là. Ouais, ben dans le fond, on en a parlé tantôt. C'était Young Bucks, puis John Moxley contre Eddie Kingston. Mais j'ai tellement pas aimé ce combat-là. Ah, ben non. Tantôt, ça a duré 21 minutes, puis pour vrai, en tout cas, moi, je l'ai rendu. Ouais, t'es plus concentré à parler de WrestleMania 10. Non, c'est correct. Le monde va peut-être dire qu'on est. Mais moi, je suis drastique, tu peux avoir ton opinion sur Young Bucks. On dirait que j'aime mieux Dynamite qui est pay-per-view. Ouais. Puis les Young Bucks font toujours le même combat. Tout le temps les mêmes set moves, tout le temps les mêmes affaires. Des lutteurs de spot. C'est le fun, les premières fois que tu es évolué, tu fais comme ah, cool, c'est des athlètes, nanana, mais à un moment donné, tu sais, manger les hot dogs à tous les jours. Ça fait une couple d'années qu'ils sont avec Team of the Year, par exemple. Faut jamais leur enlever ça. Non, je sais, mais tu sais, en même temps, il n'y a pas de relève. C'est vrai que. Moi, deux jolies flèches, là, puis les Young Bucks, on en a entendu parler. Là. Ou bien Hayabusa, puis Shinzaki. Ouais. Sabu. Ouais. Hey, Sabu, ça pourrait être intéressant, Sabu, à EW. Ouais, mais Sabu a. En tant qu'ambassadeur, tu vois. Ouais. Mais en tant qu'ambassadeur, en fait, ce serait le fun qu'il y ait une division hardcore avec des Japonais. Ça serait cool. Puis, peut-être qu'il pourrait être un ambassadeur de ça. Ah, c'est débile. Avoir une ceinture hardcore. Il a-tu encore Sabu? Ben, il est trop magasé. En fait, Sabu, il y a quelques mois/années, on fait un GoFundMe. Il a eu besoin d'avoir des chirurgies importantes au niveau des hanches, du faire reconstruire. Ah, ok, ben là. Ces choses-là. C'est rendu comme Robocop. Il a ramassé plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il demandait aux gens Il est parti une collecte de fonds. Puis c'est comme quand on donne pour les maladies du cœur en soleil. Ouais, c'est ça. Exactement. Non, mais c'est ça. Exactement. Au moins, il n'y a pas eu besoin d'avoir une opération au cerveau.
de toute façon. Non, c'est correct. Je l'aime beaucoup, Sabu. The homicidal, genocidal, suicidal. Souviens-tu, à une certaine époque, la ECW et Paul Heyman avaient fait une invasion à Raw. Ah, c'était débile. C'était malade. Ça, c'est 95-97 pour moi. Taz contre Mikey Whipwreck. Il y avait Van Damme, Tommy Dreamer qui était là-dedans aussi. Ah, c'est fou. Tu viens de... Mais ils collaboraient ensemble, tu sais. Qui avait fait un dive du coup du Titantron. Pour monter sur le Titantron, je sais pas si tu sais comment c'est fait, mais à l'époque, il n'y avait pas de côté et de dos pour monter. C'était vraiment juste une grosse lettre raw, tu sais. Ah! Fait que tu le vois, là, qu'il y a de la misère à monter puis qu'il saute tout croche. En tout cas, tu vois que le gars, il allait pas bon et que c'était probablement la seule place où il pouvait monter vraiment haut dans l'amphithéâtre pour pouvoir sauter. En tout cas, bref, ça bouge, ça a toujours été... C'est peut-être fait une ligne avant aussi, puis peut-être qu'il était désorienté, on le sait pas, là. Ah, peut-être, c'est un particulier, là. Bref, c'est fait que c'est ça, fait que dans le fond, il y a eu un... Quand on parle des matchs trop longs, là, tu sais... Le match pour le championnat AEW... Kenny Omega contre Orange Cassidy. Puis contre Pac. Puis Pac. Évidemment, ouais. M. Omega a gardé sa strap, mais ça... Ouais, c'est ça, mais c'est, encore une fois, des matchs trop longs. Des bons matchs, mais ils sont trop longs. C'est ça. C'est intense. Ouais, mais c'est ça, mais il engage trop de monde, il y a trop de personnes sur le roster, les combats sont trop longs, les pay-per-view commencent trop tard. Ouais, 8h, j'aurais commencé ça à 7h, moi, personnellement. Ah, honnêtement, là, tu fais ça... La WWE, comment ça s'appelle? Moi, ce que je pense, là, c'est que la WWE vont laisser faire les ticounes, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, parce qu'on s'entend-tu que, après 40 ans, là, que Vince McMahon a genre la WWF, là, il n'est pas à son premier barbecue, là. Non, c'est sûr. Il a vu des shows. Dans le temps, là, il a mangé des shows, là, l'après-midi, le dimanche. Ah, ça s'adapte. Il y avait des shows, là, la fin de semaine. Mais là, tu vois, là, SummerSlam s'en vient, là. Un samedi soir. Ouais, ça c'est exceptionnel. Ouais, ben ça, les codes d'écoute, mon gars. Ça va torcher. Ça va exploser. Ah, c'est sûr. Moi, je te dis, là, c'est... Mais Vince McMahon est disclu. Ben, il y a 75 ans, le monsieur, là. Ça va prendre la relève. Il y a plus 20 ans. Qui va relever ça? Ben, Triple H, y a-tu... 100 millionnaires. Écoute, ben, Triple H, Stéphanie, puis Shane, y ont-tu les moyens d'acheter la part majoritaire de Vince McMahon, d'après toi? Ouais, mais tu... Pour devenir majeur... Ouais, mais en tant que tel, la part... C'est maintenant les majoritaires à 85%, ouais, je pense. Ouais, mais tu sais, est-ce qu'ils ont le goût de runner une business pendant 30 ans quand les gars sont déjà les filles sont déjà millionnaires, ça? Moi, je pense pas. Moi, je pense, ce qui va arriver, là... Mais tu peux parler, j'étais impliqué beaucoup à NXT, ça, tu peux pas le nier. C'est ça. Moi, je pense, en tout cas, je prédis, parce qu'on parle de Triple H, ce que je prédis dans l'avenir, c'est que le NXT va se déployer mondialement. Donc, il va y avoir un NXT Canada, un NXT US. NXT Japan! Oui, c'est ça. NXT Australia, peut-être? C'est sûr qu'il va y avoir un NXT Japan, je te le dis. NXT France, NXT Italie, on sait pas. Je suis prêt à mettre 20 pièces avec toi, que d'ici avant la fin de l'année, il va y avoir un NXT Japan. Veux-tu que je te fasse une rimette? Pourquoi pas NXT Haïti? Ah oui? Pourquoi pas? Non, on sait pas. En Amérique du Sud, en Amérique centrale, il peut y avoir... Tu sais, ils ont voulu... Tu sais, Martin, il avait donné la strap championnat du monde à Jinder Mahal pour créer de l'expansion en Inde. Ouais, ouais. Fait que s'ils pouvaient pas donner peut-être un championnat du monde à un lutteur haïtien, ouais. Ben oui, ils l'ont fait avec un... Ahmed Johnson. Ils l'ont fait avec un Algérien, récemment. Nigérien. Ouais, c'est Nigérien. Nigérien, c'est qui? Apollo... Apollo Cruz. Apollo Cruz. Je pensais pour dire Apollo Creed. Tu t'as fait la même personne, hein? Il y a à peu près 30 ans de différence. Donc, les amis, c'est ici que c'est... Le main event. Le main event, ouais, c'est vrai, faut malheureusement que j'en parle, puis c'était pas... Le Stadium Stampede Match. Ouais, c'est ça. Inner Circle contre le Pinnacle. C'est ça, Inner Circle, Pinnacle. Puis... Pas Pineapple. Non. T'as-tu vu... The Inner Circle, les fans... chante la chanson de Chris Jericho. Parce qu'elle est trop bonne. Moi, cette tune-là, elle me fait marquer, les amis. Quand j'entends cette tune-là, c'est... Si tu penses à Jericho, c'est ça que tu vois Jericho. Non, oui, c'est un automatisme de chanter pendant que ce gars-là arrive. Il dégage tellement une belle ambiance. Ah, oui. Moi, j'ai toujours avoir du respect pour Chris Jericho. Jericho devrait être solo. Ouais, ben peut-être ça va venir... Ben, il était solo, il était champion du monde à bout de bâton. Mais les Nurse Jericho, en tout cas, moi, j'achète pas, tu sais... C'est parce qu'on a tellement vu de la lutte, là, mais tu sais, les stables, là, on est loin de les DX et de les NWO. Là. Non, ça c'est sûr. Il va falloir qu'il y ait des gens qui travaillent fort. Là.
puis qu'il arrête de travailler pour des salaires. Puis pour revenir à Chris Jericho, comment de fois qu'on écoutait ben, des fois un pay-per-view, ça valait pas de la chenoute, mais que Chris Jericho il faisait tellement un bon combat qu'il sauvait le show. Mm-hmm. Ça arrivait souvent, là. Ben oui, ben oui. Ben, Chris Jericho m'a toujours du respect pour un. Parce que ce gars-là, il a toujours, c'est comme je te dis, il a toujours sauvé les shows quand les combats étaient bons. Je parle de bons lutteurs, mais en ce moment. Moi, je l'adore, pas toujours. Je trouve pas qu'il est bien utilisé, là. Ouais, mais il laisse peut-être la place à la relève, là, aussi, là. C'est sûr qu'il a plus de 20 ans. Il a 50 ans, le gars, là. C'est sûr. Il va avoir un bon contrat, puis il n'y a pas le choix de marcher un pied devant l'autre pour aller faire un 2-3 en même. Exactement. Ça ressemble bien plus à ça, puis tu sais, maintenant, il y a une carrière musicale. Je fais attention pour ne pas se blesser, pour ne pas briser les tournées. Fait que c'est peut-être un petit peu pour ça qu'il a monté une stable pour essayer de lutter le moins possible puis prendre le moins de risques. Ah, c'est exactement. Moi, je suis bien d'accord là-dessus, je peux pas te contredire. Yes. Donc, c'est ici que se termine notre émission de lutte 5.5 du 14 juin 2021. Revue sur la lutte, bien sûr. Oui. Mon nom est Jonathan Drapeau, j'étais en co-animation avec mon ami d'enfance, Benoît Laferrière, c'est le Wrestle Rock Podcast. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube et Alouette. Alors, on se retrouve le 28 juin prochain pour un autre WrestleWatt podcast. C'est un rendez-vous. L'action ne manquera pas. Au revoir. I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! The Spaceman, huh? No, actually, I'm a farmer. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office."